et c'est parti. Et on est parti en roue face à PMDX, on le sait, au niveau bien sûr de notre très cher. Oula, le décès de la part d'un mes casteurs régisseurs. Appelez un médecin. Il est en train de mourir. Ah oui, qui va tenter de repartir bien sûr face à un PMDX, hein, pour le moment qui aura bien engagé bien sûr en termes de dégâts. Ah oui, non, la carte n'est pas activée, heureusement. On va venir s'aérer, mon dieu. Avec un qui va venir, oh là là, mettre PNDX en difficulté. Très très bon gameplay pour le moment qui aurait été porté. Le throw encore pour venir chercher cette première stock parfaitement bien maîtrisée en termes bien sûr technique avec le hammer qui a été pris de l'autre côté pour empêcher bien sûr PNDX de pouvoir grappiller un maximum de dégâts. Le coup d'hammer, tu l'as vu. On l'a senti, hein, vraiment. Je l'ai senti bien, d'ici, bien là. Placé. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ah, il nous fait signe, ça va aller. On a stressé peut-être du c'est côté de PNX, mais non. Ah, c'est la première game. Ouais, mais c'est un VO3. Eh oui, c'est vrai, mais bon. Donc là, on. Ouais, mais bon. La voix que t'as pris. toujours avec le canon hein, de la part de notre très cher PNX. Est-ce qu'on va pouvoir remonter et faire peut-être un petit river sweep en termes bien sûr de stock, mais ça va être délicat. Et là, Oh là là, le GP pour venir terminer de la part de Roux qu'on n'avait pas encore cast depuis le début bien sûr de cette compétition et qui vient chercher déjà la première manche de ce BO3. Oh, ça part sur un Orion du côté de PNDX. Toujours Baudvar du côté d'Ao. Là, c'est quand même, ça fait quand même mal au moral de se prendre un 3-0. PNDX a quand même un défi, essayer de retrouver Fezaru. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est un peu mal parti. Hein. Ah, là, c'est compliqué. Hein. En plus, il y avait. Voilà, c'est la dernière marche avant d'aller en finale loser. Ce serait s'arrêter malheureusement aux portes des possibilités. PNDX et Aru qui sont donc repartis sur cette deuxième game. On l'a dit, Orion qui a été pris de la part de PNDX avec cette roquette fusée qui aurait été bien sûr cette roquette fusée, n'importe quoi, cette roquette lance bien sûr, oh là là. Cette roquette fusée. Et ça part sur un Battlefield. Ouais, très spécial hein, en termes de map aussi. Ouais, beaucoup, je pense que c'est bien pour les deux persos. Ouais. Parce que là, le marteau, le hammer prend bien cette formation et même la roquette lance, surtout Orion en fait, principalement. Mais bon. On va voir. Un avantage quand même, rude. Mais un petit avantage quand même sur Aoru qui grappille un maximum et qui vire un peu PNDX du terrain. Ouais, là pour le moment, Aoru qui garde bien le contrôle de ce stage. Hein, avec, tu vois, une pression. Regarde, on a récupéré le hammer. Attention, le throw de la part de PNDX qui aurait pu faire un énorme dégât. On a voulu aller chercher malheureusement mauvais timing de la part, bien sûr, notre très cher PNDX face à Aoru de l'autre côté qui va venir. Oh, malheureusement, le punish sera très sévère et les deux joueurs sont quasiment au coude à coude en termes de dégâts. Ouais. Hein. Voilà, c'est vraiment. Il essaye vraiment de. Eh oui, l'haricot. Et oui, effectivement, cette recovery. Incroyable. Ouais, cette recovery qui aura bien connecté avec une première stock du coup qui aurait pu être prise hein, de la part de PNDX. Est-ce qu'on va pouvoir terminer? Oh là là, c'est bien placé. Il voulait encore. Mais du côté là-haut, on va venir répondre du tac au tac. Il faut vraiment aller chercher cette stock hein, si on veut pas malheureusement prendre trop de retard de la part d'Auro. Même si on a la première manche de ce BO3 qui a été remportée, il faut pas malheureusement laisser le joueur PNDX le diesel se mettre. Oh là là là, oh là, là dans son. État maximal. Oh là là. Encore avec un haut qui va venir bien frapper. Mais on tombe pas. C'est bien placé. Peut-être encore. Chercher encore. Oh, dommage. C'était gourmand. Ah, il remonte quand même. Mais c'était quand même gourmand. Ouais, le GP vraiment. Attention. Vraiment gourmand malheureusement. Le gros de l'autre côté. Oh là là. Et là on y va. Mais on y va à main nue. En plus on récupère. Dommage. C'est un peu trop gourmand. C'est encore trop gourmand. Mon dieu. C'est très risqué. Mais il meurt pas. Mais il tombe pas. Notre cher PNDX. Mon dieu. Mais ça a été bien gratté quand même du côté de PNDX. Qui va chercher cette stock. Il cherche. Il va chercher cette stock, mon dieu, mais alors là, il prend un avantage considérable. Oh, heureusement, KO va venir répondre du tac au tac. Malheureusement, on a un retard considérable à rattraper si on ne veut pas malheureusement subir le 1 partout. Et là, on est malheureusement à deux doigts de se faire éjecter et de repasser malheureusement de stock à une. De la part bien sûr de notre très cher PNDX qui va venir essayer de lire dans le jeu de son adversaire, mais Aru qui va venir essayer de grappiller. Malheureusement, trop solide. PNDX qui vient après pour tenir une première manche où on était d'ailleurs désemparé hein, sur ce qu'il nous avait proposé. Là, il viendra reprendre les devants de la scène avec bien sûr une stock d'avance et quelques dégâts.
à meilleur prix de la part de Aoro une fois de plus pour essayer d'aller donner énormément de, bah, de coups mortels, hein, on le sait, hein, le marteau, le hammer, il permet énormément de pouvoir faire la différence sur ces situations peut-être compliquées. Ouh. Et là on l'a senti passer, on l'a ressenti passer encore, hein. On arrive vraiment à passer dans le orange Atlas Rune une fois de plus qui va venir et permettre à Pendix de remonter. Oh là là, encore bien sûr, incroyable. De la part bien sûr de Haru pour essayer d'aller grappiller, il faudrait bien sûr essayer d'éjecter son adversaire là si on veut pouvoir revenir à une stock de part et d'autre, grosse pression. Oh, et là du côté malheureux de Pendix, on a loupé lâché. Le coup se trouve également de la part des deux joueurs, avantage une fois de plus à Haru qui va venir récupérer tranquillement cette sword malheureusement du côté de Pendix. Aïe, la roquette lance qui sera récupérée, le throw encore pour venir se sauver. Ça passe à la très très bien, millimètre. Très très bien placé, hein. Millimètre de la plateforme. Grand point bien encore effectué. Ouais, oui. Oh là là, le throw qui attention, le throw. Ça galère à remonter quand même. Attention, les trois points d'exclamation. Ouais, la Dunsig, ça passe. Dunsig bien placé. Pendix qui remonte la pente, un partout, BO3, voilà, on va dire bien entamé, mais qui va devoir maintenant se jouer sur un des derniers matchs possibles entre ces deux différents joueurs. Et là, Pendix revient sur un Lorgvrax et Numiko du côté de Aoru. Pardon, je vais voir les braquettes. Ah oui. Donc du coup, hop, ok. Donc, ok, ouais, c'est ça. Après, ils sont en train de jouer les deux. Parfait. Donc là ça change un Lorgvrax, c'est Rook qui perd un Lorgvrax, mais toujours la Rocket Lance. Assez surprenant, je dois t'avouer. Ah, tu penses? Bah, il avait gagné, il avait perdu avec Lorgvrax, c'est ça, non? Ouais, c'est justement ça. Ouais, c'est vrai, mais bon, je pense qu'il a raison de changer au bout du troisième round. C'est très intéressant. Ah, mais ça, c'est un Yumeko. C'est le counter pick, malheureusement. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu piques ton perso en premier, malheureusement, l'autre pique souvent juste après. Ouais. Parce que normalement, ouais, c'est un peu ça aussi, un peu les règles du jeu de combat. C'est pour ça que les finales, ce sera bien quand on aura un joueur sur chaque station, parce qu'on verra pas qui prend qui. Voilà, qui prend qui en termes de perso. Les blasters ont été de sortie de la part de Pendix pour venir essayer d'assimiler les bons premiers coups. Malheureusement, Auro a été très solide sur le début, bien sûr, de cette game. Le hammer récupéré à nouveau. Maintenant, il va falloir essayer d'aller trouver les bons timings. Parce que là, Rocket Lance va être de sortie et elle fait énormément de dégâts. Ouh, on la connaît, cette Rocket Lance. Qui passe. De toute façon, le marteau sur la edge, hein, c'est... Oh là 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 là. Ça, c'est dommage. Première c'est truc, les problèmes de brawl. Là, le souci, c'est que là, vraiment, on risque de prendre un retard considérable de la part d'Aro. Eh oui, c'est vrai que là, le moral en prend un coup, là. On est dans le rouge, mais on est quasiment dans le jaune encore de la part d'Aro, même si on répond très très bien. Le GP qui viendra en plus connecter, alors que... Il était pourtant assez visible, la suite de l'autre côté qui ne viendra pas connecter. Là, on essaye d'attendre les bons timings. Encore l'intro, Pendix, il est indescriptible sur cette throw à chaque fois qu'il viendra tomber. On a essayé d'anticiper, bien sûr, au niveau de cette... C'est il vient la chercher. Mais mon Dieu, mais quel move. Il a encore lu encore, mais c'est l'Empire. Oh, mais là, c'est, ouais, il est médiateur dans ses mouvements, notre cher Pendix, qui viendra prendre deux stocks d'avance. Et là, mon cher, tout simplement... Oh là là, mais non. Ah, dommage. Là, mon cher, j'ai envie de te dire, à moins d'une remontada stratosphérique, ce sera trop compliqué d'essayer de remonter. Ah, malheureusement, là, on vient de m'informer que Shiro vient de quitter le tournoi. Malheureusement, il vient de perdre. Ouais, R2 qui viendra du coup affronter Vexus de l'autre côté. Eh oui. Comme ça, on verra qui sera l'adversaire du gagnant de ce combat-là aussi. Bah, c'est ça, hein, tout à fait. Hein, on a eu un début plus que flamboyant de la part d'Aro. Malheureusement, elle est en train de se faire légèrement dominer par cette Rocket Lance. Et on l'a vu, hein, il la maîtrise parfaitement bien. Eh oui, effectivement, non, mais ça, c'est une très bonne maîtrise de leur Lorgvrax. Je pense que c'est pour ça qu'il la garde en finale. Oh là 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 là, tu vois. Encore malheureusement. Eh oui. Les gars, on a bien placé cette SIG une fois de plus. Ouh, oh là là, le GP là qui fait très très mal encore. Ouais. Il essaye. Ouais, on va essayer de chercher encore, bien sûr. Énormément de dégâts, on va venir le chercher au top stage. Je sens, attention. Attention tout de même. De pas perdre l'avantage là-dessus. Et oui, ne pas trop malheureusement être greedy là-dessus. Avec les blasters qui ont été récupérés. Oh, malheureusement, ça passe pas à la SIG. Bien passé de la part d'Aoru. Malheureusement, on est dos au mur et on n'a pas le droit à l'erreur de la part d'Aoru pour venir essayer de remonter. Rocket Lance récupéré. Et c'est malheureusement la sentence qui viendra tomber directement. Et Aoru qui viendra nous quitter malheureusement sur un bon top 8 quand même. Qui rentre dans le top 8, bien sûr. Bien placé.